L'abandon, la colère, la frustration, la méchanceté, la médisance. Oh, après ça, on commence. Oh, l'obéissance, confiance, soumission, la joie, foi, amour et espérance. Là, on est en haut, là. Lorsqu'on a la foi, Paul dit, 1 Corinthiens 13, tu sais, si je n'ai pas l'amour, mes trois choses demeurent. La foi, l'amour et l'espérance. Mais comprenez-vous que Dieu, dans la vie de disciple, dans ce que Dieu veut faire, c'est lorsqu'on est au Seigneur, c'est bien beau, là. Mais il y a des choses dans nos vies qui ont des mauvaises racines, ou des racines qui ont été en mauvaise place. Et bon, on a toutes, comme on dit souvent, des bébites. Et c'est important, tu sais, l'image de Lazare, quand, dans Luc 11, quand Jésus ressuscite Lazare, oui, Jésus le ressuscite, mais après ça, il dit aux disciples, déliez-le. Et dans le fond, c'est une image où on est, oui, ressuscité avec Jésus-Christ, on a la vie, on a le Saint-Esprit, mais il y a des bandelettes du péché, de la vieille nature, qui ne s'enlèvent que dans le corps de Christ, dans l'aide des uns des autres, etc. Et les attitudes, je ne sais pas si c'est... Oui, Isaac est allé. Alors, l'attitude détermine l'altitude. Et combien savent que c'est tout un travail, ça, des attitudes? Ah! Et celui qui vous parle, c'est de quoi il parle. Et, pas d'amène là-dessus, ma femme. C'est pas mieux que vous autres. C'est pas parce que, tu sais, des fois, il y a des mensonges. Il y a un des mensonges, c'est que les pasteurs sont parfaits. Ou les femmes de pasteurs sont parfaites. Bien, plus que le pasteur. Ou les enfants des familles pastorales. C'est des enfants modèles. Tu sais, il y a des choses dans l'Église comme ça qu'on a gobées. Puis c'est pas vrai, on est tous pareils. C'est juste le fait qu'on est dans des positions différentes. Mais la nature reste. La nature. Chasser le naturel, il n'y a rien en courant. Et ça, tu sais, tu te poses la question, coudonc, en es-tu vraiment guéri un jour de nos mauvaises attitudes? T'as ça, je te dis, oui, mais je te watch. Bon, OK, on mature. Bon, ça, j'aime ça. On mature dans la réponse. Tourne ta langue. Alors, c'est important de comprendre pour les jeunes croyants d'aborder des sujets, même pour les vieux croyants. J'ai comme l'impression des fois quand même des croyants, supposément matures, si le travail n'a pas été fait en profondeur. Alors, c'est ça, comme on disait la semaine passée, l'esprit religieux peut prendre énormément de place et on ne s'en aperçoit pas. On ne s'en aperçoit pas, on a des habitudes. On nous a enseigné des choses, on nous a dit des choses, on nous a mis dans un bain de circonstances ou d'enseignements jusqu'à ce que arrive un événement. Et Jésus était le spécialiste de brassage d'attitude. Lisez la Bible. Et les disciples, leurs attitudes. Et c'est avec eux autres que Jésus a bâti les premières fondations de son Église. C'était des agrès, les disciples. Tu sais, dans la Bible, le mot agrammatos, c'était agrammatos. Parce que les pharisiens disaient, ah, c'est des agrammatos. Dans le grec, ça veut dire des gens pas éduqués. Parce que les pharisiens, eux autres, ils disent, moi, j'ai des diplômes. J'ai été dans la synagogue. Les disciples, c'est des pêcheurs, c'est des collecteurs d'impôts. Mais c'est avec eux autres que Jésus a bâti les premières fondations. Alors, l'Église doit suivre le même processus, c'est-à-dire que on ne vous fait pas passer un scanner de péché. Parce que de toute manière, on n'a pas besoin de scanner, vous êtes tous des pécheurs. Et comme Paul a dit, donc je suis le premier. Il n'y a pas de scanner de péché. Cependant, il y a des instructions, il y a une marche à suivre, il y a une croissance, et on doit s'envoler, on doit monter. Et c'est les attitudes qui vont déterminer jusqu'à quelle hauteur tu veux aller. Paul aux Éphésiens dit, vous êtes déjà assis dans les lieux célestes. C'est par la foi. Mais tu sais, des fois, on se sent comme à quatre pattes sur le tapis. Là. Comme un tapis. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut tout enlever les mauvaises choses. Puis, dans le fond,
C'est Jésus qui a dit, les apôtres l'ont répété dans Matthieu et dans Jacques, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Dans le fond, c'est ça que ça voulait dire. « Soyez matures, maturés, changés, soyez transformés. » Et ça, ça va durer jusqu'à... Mais il devrait y avoir des améliorations. Tu sais, si jamais rien s'améliore, vous savez, même les compagnies de marketing, là, tu sais, ils font des changements parce que l'habitude, ça ne crée pas de profit. C'est une question de nature, ça. Et dans le spirituel, c'est la même chose. Donc, il faut qu'il y ait une évolution, il faut qu'il y ait une croissance. Il faut que tu avances pour monter, pour expérimenter ce que l'on expérimente dans l'intimité avec Jésus. Sur la montagne, il faut que tu montes en montagne. Mais il faut que tu laisses le Saint-Esprit t'aider à monter. Alors, je trouvais l'image, là, super intéressante. Il faut que les ballons d'en bas, là, perdent du lest. On va dire que le tout en bas, c'est des petits sacs de sable, là. Vous avez déjà été en Montgolfière? Pas non plus. Mais je sais qu'il y a des sacs de sable. Tu y étais, toi? Ah bon. Allez, là, on va se construire un sermon de là, nous autres. Ça prend du feu pour que ça monte. Wouhou! Fire of the Holy Ghost! Plus de gaz, plus d'énergie, plus de connexion avec un ordre de ça. Fait que, qui veut monter? Montons à la maison de l'Éternel. Quoi? Apprendre à marcher, manger, grandir, etc. OK. Bon, ce qu'à l'image, ça va, c'est estampillé. Tout ça, c'est des sacs de sable qu'on laisse tomber, qu'on travaille là-dessus pour que ça ne nuise pas. Parce que je sais que ça ne fait pas partie de personne ici. En bas, là, mettons, la moitié de la page, en bas, il n'y en a pas, mais encore qu'il y a quelque chose de caché. Les disciples de Jésus avaient une idée, vous savez. Acte 1. On regarde la vie des disciples. On tourne du tout bas, tout côté. Qu'est-ce que... Je suis un micro. Je fais des bizarres dessus. Bon, lui, il fait du collecte, là? C'est bon, là? OK. Batterie qui s'en va. Le bleu. OK. Acte 1. C'est pensé comme il faut, là. OK. Les disciples étaient parfaits. Les disciples avaient... Ils avaient été avec le maître pendant 3 ans. Les disciples avaient vu combien de choses, avaient expérimenté. Plein d'affaires. Ils ont vu des affaires incroyables. Mais, on apprend, 40 jours, donc, Jésus était avec les disciples. Et là, il est sur le bord de partir, au verset 3, chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, il leur en donna plusieurs preuves. Se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai enseigné, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés. Oh! Yes, sir! Du Saint-Esprit. Verset 6. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Verset 7. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. » Dunamis, en grec, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après leur avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et disent, « Hey, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, au milieu de vous, reviendra de la même manière. »
Les disciples de Jésus avaient une idée, vous savez. Et avec toutes leurs attitudes qu'ils avaient, pendant toute la formation qu'ils ont eue. Je ne sais pas si vous avez décelé quelque chose ici, là. Mais moi, c'est quelque chose qui est allumé là, dans le petit texte que je n'avais pas allumé avant. Parce que les disciples s'étaient forgés. Et vous savez aussi, je vais vous donner une piste. Judas, il s'est pendu pourquoi? Parce qu'il a trahi Jésus. Judas s'est pendu parce qu'il avait une idée, un concept. Il pensait que Jésus était pour établir le royaume et que dans ce royaume terrestre, physique, pour Israël, Judas avait un champ, une mine d'or. C'est ça qu'il a acheté. Il a acheté le champ du potier, de l'argile pour faire des poteries, parce qu'à l'époque, pas de chaudron, là. Tu sais, c'est quoi, là? Je sais pas. Cantaire n'existe pas. Hein? Arès. Judas, il voulait avoir une compagnie, et ayant été avec Jésus, il s'était forgé une idée de son futur. Et la mort de Jésus l'a complètement détruit, l'a découragé. C'est spécial quand tu explores l'idée. Mais pas juste lui, les autres aussi, dans le fond. Pierre, il retourne à la pêche. Le gars, t'as tout découragé, ça, tu vois. Mais là, il revient. Jésus revient. Il nous apparaît 40 jours. All right! Il est revenu! Mais Judas, lui, par exemple, il est plus long. Mais les autres. Alors, 40 jours, elle a eu le parle du royaume. Dans le fond, qu'est-ce que Jésus leur a raconté pendant 40 jours? Et un mois et demi, là, il a raconté des choses. Est-ce que toutes ces choses sont écrites? Matthieu dit que si on écrirait tout ce que Jésus a dit et fait, les bibliothèques du monde entier ne sauraient contenir. De là l'importance d'avoir une écoute avec le Seigneur, parce qu'il y a bien des choses à dire, il y a bien des choses qui sont écrites, gloire à Dieu, on a un bon mode d'emploi, mais il y a encore plus que ça, il y a une révélation fraîche. Même la parole de Dieu, comme je disais, ce premier passage que ça fait des milliers de fois que je lis, c'est comme, hey, il est dans ça. Alors, dans le caractère du disciple, dans l'attitude du disciple, dans la transformation, les disciples s'étaient forgés un concept. Une opinion de leur avenir et de leur implication. Jésus a radicalement anéanti leur rêve. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des prédications sur les rêves de Dieu. On a eu une cite l'année passée avec Jean Pelletier. Correct! Mais Jésus est spécialiste, même lorsqu'il nous confie des rêves, de les détruire dans un but spécifique. Quel but? Former nos caractères. Former nos attitudes, d'avoir les yeux fixés, non pas sur... Regardez bien, je vais vous lire le verset, mais dans une autre traduction, vous allez comprendre. Donc, il a anéanti leur rêve, leur plan. Il les a poussés hors de leur zone de confort, en laissant les disciples. Yes! Quel Dieu! Là, ils étaient avec eux autres, ils s'attendent, là, Gary. Let's go, on va y aller, là. Fiu! « Hey, il est où? » Et les anges sont là. « Qu'est-ce qu'il va regarder? »« Hey, qu'est-ce qu'il dit, le maître? »« Allez à Jérusalem. »« Patientez un bon 10 jours. »« Une semaine et demie. »« Combien voudrait tout avoir tout de suite maintenant? » »« Eh oui, on est tous de même. »« Maintenant, tout de suite. » »« Et on vit dans une société de vitesse. » »« C'était pas mieux à l'époque. » »« Il est là sur la montagne. » »« Puis il commissionne d'établir... » ce qu'il voulait voir établi par Jésus, parce qu'il pensait que Jésus était pour établir le royaume de Dieu. Et un verset, je l'ai pris d'une traduction, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras la royauté au profit d'Israël? » Oh, j'avais aimé cette traduction-là. Au profit. Les disciples, vous savez... son parlera de tous les disciples, mais Jacques et Jean aussi, la mère est aventureuse, la mère a demandé de Jean et Jacques, et va voir Jésus. Quand tu seras en royauté, là, mon fils à droite, puis mon autre fils à gauche, ça peut-tu être de même? Jésus dit, hey, je ne sais pas ce que tu dis. Les disciples, c'était forger des idées. On est des spécialistes de forgeage d'idées, de concepts, de projets. C'est humain, c'est correct.
Mais quand on approche de Jésus, quand on vient dans sa présence, le Seigneur Jésus connaît très bien la destinée de chacun. Il veut qu'on entre dans une destinée qui, bien des fois, est loin, loin, loin de notre esprit. Je l'ai déjà mentionné, hein, quand je suis arrivé au Seigneur, quand je suis rentré dans la famille à Manon. Le gars-là, là. C'est ce qu'il va faire dedans, lui. Un traître de Saint-Henri. Pas éduqué. Un agramatos. Un vrai agram. Ma mère m'a traité d'agram souvent. Elle avait raison, en plus. Mais quand Dieu a une destinée, une volonté, et dans le cheminement, il y a la transformation, et c'est ça qui est le problème avec les disciples. Au profit. Alors, si on entre dans le Seigneur, si on accepte le Seigneur, on commence à marcher dans le Seigneur, et qu'on y voit dans le Seigneur un profit, on a un problème. Parce que là, ça devient religieux, notre affaire. Là, ça devient je, moi. Alors que Jésus l'a dit, on a commencé avec ce texte-là, si vous vous souvenez, Luc 14, hein, Luc 9, si vous voulez, des disciples. Là, si on veut juste être une église avec des croyants et du monde qui vient à l'église une fois par semaine, pas de problème. Mais les ballons vont déchouffler vite. Là. Et on va tous s'effouérer. On va tous se taper ses rêves. On va tous se prendre la gueule, comme on disait par chez nous. Mais de l'autre côté, si on veut aussi grandir, être soufflé, on va avoir à vivre, je ne dirais pas de similaires combats, mais il y a possiblement des certains combats qu'on va avoir à traverser dans nos attitudes, dans nos comportements et qu'il faut régler. Et les disciples n'avaient pas réglé ça, même après 3 ans. Alors, ça ne veut rien dire, c'est les années qu'on a dans le Seigneur, en quelque part. Là. Des fois, il y a des gens que ça fait 25 ans qu'ils sont dans le Seigneur, mais il y a des gens que ça fait 6 mois. Il y a plus de maturité, des fois, chez les gens de 6 mois que ceux de 25. À notre grande honte, les enseignants ou les pasteurs, c'est leur problématique. Mais on veut que tout le monde avance et se rende jusqu'à la vraie vie de disciple que Jésus-Christ veut de chacun de ses enfants. Le vrai disciple de Jésus-Christ doit porter une attention toute particulière sur la nature même de ce que Jésus attend de chacun. Les gens ont tendance à utiliser l'Église comme un moyen de répondre à leurs besoins personnels au lieu de servir comme serviteur de Dieu. Ça, c'est une réalité. Tu sais, après 35 ans de ministère, on pourrait en compter, je pourrais en compter des histoires. Ou des fois, ça ne paraît pas. Mais l'Église devient comme un moyen, un profit pour répondre à un besoin. Des fois, c'est des besoins profonds. C'est des besoins de souffrance. Comme on chantait le chant de Noël Richard tantôt, c'était prophétique. Il y a 20 ans, c'est écrit. Puis quand j'ai lu le texte, il y a de la violence dans l'air. Je sais qu'il n'y a pas de violence dans nos rues, là. Il y en a au Moyen-Orient, là. Mais il y a une violence dans le cœur des gens. Il y a peut-être une violence dans nos propres cœurs. Pas aussi intense, mais quand il arrive une difficulté, ou quand il arrive quelque chose où il me semble que je vais aller dans cette direction-là, et comme les vents deviennent contraires, ou un frère ou une sœur, Dieu utilise un frère ou une sœur pour me stopper. L'attitude. Quelle attitude? Cette semaine, on échangeait, moi et mon épouse, sur Joseph. L'histoire de Joseph. Là, ma femme essaie de me convaincre de certaines affaires. Là. Ah, elle a raison. Ah ouais, dans le plan de Dieu, Joseph, sais-tu, Dieu, c'est ça qu'il a voulu pour Joseph, ça a juste arrivé de même, puis ça a viré. Puis, vous lirez l'histoire de Joseph, vous allez voir ma femme des explications, là, elle m'a donné une bonne explication. Mais Joseph, tu sais, pendant 13 ans, là, il a eu des rêves. Les gerbes se pliaient, ses frères se pliaient. Son père, sa mère, la lune, les étoiles. Et ses frères, ils ont dit, on va t'en faire un rêve. Ça. Tu vas rêver pas à peu près dans le fond de la citerne. Puis... oui, c'est des cauchemars que tu vas vivre. Puis tu regardes plein de personnages de la Bible. C'est ça que tu vois dans la formation, dans le cœur, dans les attitudes. Le vrai disciple de Jésus-Christ, ce qu'on veut atteindre, là, ce qu'on veut élever, là, c'est que le vrai disciple de Jésus-Christ a une expérience de foi, bien sûr. Une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ça, c'est la base. Je dois rencontrer Jésus-Christ face à face. Je dois avoir une intimité. Je dois sentir son souffle, son cœur battre.
Ça se peut, ça. Combien ont déjà expérimenté ce sentiment que il me semble que j'entends le cœur du Père ou le cœur du Fils battre pour moi? On, pas tout le temps, là. Mais il y a des moments, c'est, puis ça, c'est l'appel du Maître de dire, « Regarde, je veux prendre soin de toi, inquiète-toi pas. Je suis pas loin. » Des fois, on peut être comme les disciples dans la barque. La tempête se lève, Jésus dort. Et là, Jésus, tu dors-tu? Là, ça a duré combien de temps, ça, là? 2 minutes? 1 heure? Des fois, ça peut nous durer des semaines, nous autres aussi. Coudonc, Seigneur, t'es où? Mais la Bible dit, et Jésus a dit, « Jamais je vais vous abandonner. Jamais, je suis avec vous. » Tous les jours. Maintenant, sa présence, elle n'est pas toujours manifeste. Mais quand c'est le temps de se manifester, il se manifeste. Mais ça prend, de notre côté, quoi? Dis-le au complet. La persévérance aura sa récompense. Mais la désobéissance aura ses conséquences. Celle-là, c'est Hubert. Non, c'est C'est quoi qu'elle dit? C'est quoi j'ai dit? La négligence, j'ai dit quoi, moi, là? La désobéissance? Lui, il avait dit la négligence, là, il ne m'écoute pas, il est sourd, mais il n'est pas. L'obéissance aura sa récompense. Ouais. La négligence aura ses conséquences. C'est ça que j'ai dit? Oui, j'ai tout entendu. Oh, oui, tu m'as entendu. Ça paraît pas, mais t'entends. OK. Alors, OK, on part. Les disciples ont parti avec Jésus 3 ans plus tard. Leur attitude n'était pas complètement correcte. Il fallait que ça en aille. Attends, je ne vous ai pas dit là, ce qui est super dans ce passage-là. Vous ne réalisez pas. Il y en a qui le savent, qui vit trop vite. OK, quand ça dit au verset, attendez une minute, 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous. » OK, combien ils disent, Jésus a promis une belle, quelque chose de beau. Ça avait été prophétisé dans l'Ancien Testament, c'est prophétisé par Jean-Baptiste. « Vous recevrez. » Combien ils disent, « Ah, moi, je vais recevoir. Je vais recevoir la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Pour faire des miracles, pour avoir des guérisons, pour être béni, pour marcher sur les eaux et voler dans les airs. Puis... » Non, celle-là, elle est en montgolfière. Mais le bout que vous ne réalisez pas, ou que certains savent, que là, je vais vous l'apprendre, s'il y en a qui ne savent pas, et vous serez mes témoins. C'est quel mot, ça, pour les théologiens, ce matin? Martyrium. C'est le mot martyrium, qui veut dire, en français, martyr. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez des martyrs. C'est-à-dire, vous serez persécutés. C'est-à-dire, vous irez contre vents et marées. C'est pour ça que les attitudes de nos ballons sont importantes, parce que les disciples ont fait face à des difficultés en partant dans la chambre haute. Oui, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Il y a la foule, Pierre a prêché son beau sermon. Hey, let's go. C'est beau, c'est bon. Mais en même temps, les gens ont commencé à se moquer. Ben oui, ils sont sous, voyons donc. T'sais. Mais non, il est 9h, matin, il n'a pas bu. Non, après ça, le cheminement, persécution. Vous serez des martyrs, c'est-à-dire, ici, la conception de martyr est peut-être différente du Moyen-Orient. On n'est pas pire, là, en 2015. Mais vous savez, lorsqu'on regarde l'histoire de nos implantations d'églises évangéliques au Québec, là, quand quelqu'un a fait un 75 ans, puis soyez-vous avec des personnes qui ont plus de 50 ans dans l'Évangile, ils ont compris quand le Seigneur a dit « Vous serez des témoins ». « Ah, témoins? Ah oui, je vais témoigner de Jésus. » Oui, mais tu vas être aussi persécuté. Mon ami Jacques Bellemare, il y a des images, des portraits, quand... Puis certains ici, je ne me souviens plus, là, mais à Shawinigan, la ville du Prime Minister ex, il y a des photos où le curé, la police, était venu. L'église avait acheté un local loué. Et quand les catholiques ont su qu'il y a des protestants remplis de démons, ils sont dans le village. Alors tu vois les photos de l'époque, là. Toutes les vitres brisées, toutes saccagées, une cinquantaine de personnes sont venues avec des bâtons, des barres de fer, ils ont tout brisé.
Comprenez-vous que vous serez mes témoins. Vous risquez de rencontrer des difficultés. Et les attitudes, les comportements sont à évaluer. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous voulez me suivre, vous devez évaluer. Vous devez... C'est certain que c'est la meilleure des positions de toute manière. Pour une bonne raison. Le vrai disciple a une expérience de foi. Ça fait deux fois que je l'ai dit. Et à partir de cette première rencontre, une aventure de foi commence et ne se termine que lorsque nous entrerons dans la gloire de sa présence manifeste et glorieuse. J'ai tout ce texte-là, vous l'avez. Une fois que le voyage sera terminé et que nous serons rentrés où? À la maison. On nous suivra. Vous devez, on doit réaliser le plus tôt possible dans la vie d'un disciple, la vie d'un croyant, cette parole d'Hébreux 11-13. On doit réaliser ça. Tous ces patriarches sont morts en croyant à l'accomplissement des promesses qu'ils n'avaient pas vues se réaliser de leur vivant. Ils les ont seulement entrevues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur cette terre. Dans le fond, tout le monde est étranger et voyageur sur la terre. Mais le croyant ou le disciple est étranger et voyageur avec une espérance d'entrer dans la gloire manifeste de Dieu, selon sa promesse de nous sauver et de nous emmener avec lui pour l'éternité. Et 1 Pierre 2,11 dit la même affaire. Et c'est pas curieux. Mais les deux épîtres, que ce soit Hébreux ou Pierre, ont été écrits dans un contexte de persécution. Et vous lisez Hébreux, puis vous vous attendez à ce que les croyants soient encouragés. Ils le sont, mais en même temps, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est sévère quant à la sainteté ou à la foi que les chrétiens ou les disciples de l'époque devaient expérimenter. C'est pour ça qu'un des passages, c'est... Vous êtes étrangers voyageurs. Et Pierre, c'est la même chose. Pierre aussi est à la fin de l'écriture du Nouveau Testament. Et lui aussi a subi des persécutions. Il dit, mes chers amis, vous êtes ici-bas des étrangers. Dans cette traduction, ça dit des hôtes de passage. Des voyageurs, des hôtes de passage. Je vous demande donc de vous mettre en garde contre les désirs, attention, pour donner un grand coup là, contre les désirs de votre être naturel. Même pas charnel, ok? Charnel, oui. Mais naturel. C'est-à-dire, on a des désirs, on a des rêves, on a des attentes. Mais le disciple, le vrai disciple de Jésus-Christ, met tout ça de côté. Est-ce que nos rêves, nos attentes, nos destinées qu'on pense, Dieu va toutes les enlever? Il n'y a pas de garantie qu'il va toutes les enlever, sauf que si c'est dans le plan de Dieu, ils vont être entrepris, non pas pour avoir un profit, un crédit ou pour montrer à Dieu, regarde ce que j'ai fait. Mais pour plaire au maître et dire, Seigneur, si c'est ça que tu veux que je fasse, je vais le faire. Des fois, on pense que de faire la volonté de Dieu, c'est tout le temps bon, c'est tout le temps plaisant, comme disent les gars de Lac Saint-Laurent. Mais des fois, c'est comme, Seigneur, ça ne tente pas partout. So what? Ça, j'entends Dieu lui dire, tu sais, so what? L'appétit vient en mangeant. Oui, mais des fois, c'est pas tout le temps bon. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, votre être naturel, ils sont en guerre avec votre âme et combattent sans cesse contre elle. Il y a un combat interne, il y a un combat extérieur. Bon, joie, on va-tu s'en sortir? C'est la guerre! C'est la guerre! Mais de toute façon, oui. Mais toute cette guerre n'est que pour un temps passager, éphémère. Et ça, ça doit nourrir notre esprit, notre espérance. Un vrai disciple sait écouter, réfléchir, recevoir des instructions, même de la correction, et s'engage à rectifier sa pensée et ses comportements afin de continuer à marcher dans la volonté de Dieu. Selon les passages de la parole de Dieu. Hébreux 6, c'est une bonne mise en garde.
Savez, j'aimerais ça vous dire juste, c'est beau, c'est le fun. Mais le message qu'on doit adresser pour qu'on devienne des vrais disciples, il faut donner tout le message. J'ai l'impression, non, j'ai pas l'impression, je suis témoin quelquefois qu'on évite de regarder les vraies affaires. J'ai une passage de Timothée 3. Ah oui, donc. Tant qu'à donner du stock. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Bon, mais ça, c'est dans une autre ville. Mettons pas à Salaberry-de-Valleyfield ou ses environs. Là. Amis de l'argent. Qui n'est pas ami de l'argent? Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irreligieux, insensé, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Moi, j'en reviens pas des fois, mais je suis un homme de bien. Moi, partout où je vais, là, je fais du bien, j'essaie de faire du bien. Puis... Écoute, c'est pareil comme si j'étais un sans-dessin, des fois. Un extraterrestre. On dirait que les gens, c'est comme... Veux-tu que je te prête ça pour t'aider, hein? Non, j'ai pas besoin. On va me débrouiller. Oh. Hey, je t'en charge pas une scène, là. Je veux te faire du bien, là. Arrête pas de ton bien. On va comme ça. Oui? Ça me servit, là, maman. On te dit bonne demain. Souvent. On est dedans. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Hey, c'est le verset 5 qui fesse. Ayant l'apparence de la piété. Donc, ça peut être des gens qui, extérieurement parlant, fréquentent l'Église, ont une religion, ont un environnement spirituel. Ayant l'apparence, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et ça continue comme ça. Hébreux 6 nous dit, c'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dépassons ce stade. Il faut gonfler les ballons. Il faut monter. Dépassons le stade de l'enfance. Le stade de juste installer notre nacelle. Et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stage adulte et qui favorisera notre croissance spirituelle. Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles, la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains. Bon, il y avait tout un contexte au niveau des Hébreux. Mais dans le fond, si je résume, si j'explique dans le fond ce que ça veut dire, c'est que, tu sais, le légalisme ou la loi ou le rituel ou l'habitude, ça fait partie de notre nature. Et l'homme et la femme sont des gens d'habitude. Et on s'habitue dans un environnement à un moment donné, mais dans la foi, il n'y a pas d'environnement normal. Dieu est un Dieu de changement. Dieu est un Dieu de mouvement. Alors, quand on dit que les chrétiens, c'est des faibles, c'est faux. Le vrai chrétien, le vrai disciple, c'est un explorateur. C'est un guerrier. C'est un inventeur. C'est un innovateur. OK, il n'y a plus grande échelle, tu sais. Il y a des gens qui sont juste normales. Mais le croyant ou le disciple, c'est quelqu'un qui marche la tête haute, qui marche droite, qui est capable d'aller contre-courant. Puis dans les difficultés, plus on avance. Dans le fond, ça se résume à ça. Les Hébreux, ils étaient habitués, puis ils pensaient. Tu sais, les disciples, ils ont dit, tu sais, quand tu vas mettre ton royaume, c'est quand qu'on va pouvoir gérer tout ça? Puis là, quand l'Épître aux Hébreux est écrit, il n'y en a plus un, là. Il y a probablement juste Jean qui sont nés de Patmos, mais les autres sont décédés, sont morts, sont tués. Et on n'a pas l'auteur de l'Épître aux Hébreux, là, on ne sait pas c'est qui. C'est le seul qu'on n'a pas l'auteur, mais il a regardé ça. On est plus longtemps dans le temps, vers les années 60, donc l'Église a une trentaine d'années. Alors, l'auteur a tellement voulu se cacher derrière la... Dans l'humilité, dans la profondeur de ce qu'il nous a laissé dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, c'est une épître extraordinairement grandiose, mais aussi difficile. Parce qu'il y a un contexte hébraïque où les Hébreux vivaient quelque chose
que nous autres, on n'a pas idée. Mais quand même, ici, on parle de loi, on parle des judaïsants qui avaient tout le temps la tendance à ramener les vieilles affaires. Tu sais, puis Jésus a dit, guère, on ne peut pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. C'est des outres neuves. Puis vous savez, souvent, on a entendu des enseignements dans les dernières années. Puis quand on a un mouvement du Saint-Esprit, on devient une outre neuve, on rentre dans l'outre neuve, on reçoit le vin nouveau, mais 25, 30, 40 ans plus tard, l'outre neuve qu'elle était au départ, elle est devenue quoi? Est devenue vieille. Fait que la nouvelle outre vieillit. Et Dieu a besoin de renouveler encore une fois l'outre, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire de remettre en question, c'est Paul qui dit, examinez-vous pour voir si vous êtes vraiment dans la foi. Je sens quelque part un petit peu plus loin, là. Mais dépassons ce stade. Laissons de ces notions fondamentales à leur place et abordons ensemble, avec l'aide de Dieu, des vérités plus profondes correspondant au stade à Dieu. Des vérités plus profondes. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en mode de creusage, en mode de questionnement, en mode de remise en question. C'est pas qu'on va tout jeter à la poubelle, mais à quelque part, on solidifie ce que nous sommes au niveau de la foi. Maintenant, les œuvres de la chair, vous le savez, c'est quoi? Hein? Vous les savez par cœur, vous les regardez à tous les matins, puis là, vous partez votre journée en disant, ça, ça se débarrasse de ma vie, aujourd'hui! Hein? C'est où ça? Galate. Or, les œuvres de la chair, aïe. Car la chair des désirs contraires à ceux d'esprit, c'est dans Galate 5, 17. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça, c'est plate. Hey, oui, on te souviens-tu quand on était à Haïti? Robichaud. Christian Robichaud. Elle est partie avec moi, une quarantaine de jeunes, puis trois vieux. Moi, Yves, puis Christian. Donc, les autres étaient jeunes, moi, je suis vieux. Et puis là, il avait dit une fameuse parole en partant, quand le premier meeting avec la gang, là, ça va être clair. Puis il l'a répété à plusieurs reprises. La journée où on part, vous n'avez plus aucun droit. Tu sais, on s'en va, mais des jeunes, nous autres, tu sais, c'est un mission, tu es des jeunes avec 15 ans, 16 ans. Tu sais, il fallait watcher, là, tu as 40 ans en plus. C'est toute une aventure avec cette gang de jeunes-là. Mais ça m'avait marqué, tu sais, vous n'avez plus aucun droit. La journée, c'est moi le responsable, c'était Christian le responsable, Christian Yves était responsable. Mais Christian, comme responsable, a dit, là, en voyage, là, de la minute qu'on embarque jusqu'à la seconde qu'on débarque, vous n'avez plus aucun droit. OK? Et là, tu... Mais Jésus, dans le fond, c'est ça qu'il dit, quand on veut devenir disciple, c'est la réalité du vrai disciple. Le vrai disciple n'a plus aucun droit. Il n'a que les droits que Jésus lui donne. Et ça ne veut pas dire qu'on est anéanti, qu'on n'est plus rien. C'est pas ça l'idée. C'est que Jésus veut nous transformer à l'image de sa propre personne. Et là, il a donné les 5 dons ministères, les pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Afin que quoi? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et apportant tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous grimpions dans nos ballons, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. J'ai oublié les autres versets. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs dans l'Évangile, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous ayons atteint 5 ans. Mettons. 3, 2, 8. Jusqu'à ce que nous soyons tous, au verset 13 d'Éphésiens 4, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Pensez comme il faut. Le vrai disciple cherche à remplir
le mandat que Dieu nous a laissé à entrer dans la destinée. Est-ce que c'est faisable? Si ça n'aurait pas été faisable, ça ne serait pas écrit. Donc, il a donné jusqu'à ce que nous soyons tous, puis pas juste chacun de notre bord, tous, ça veut dire ensemble, parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Imagine-toi, là. Hey, y a-tu l'ouvrage là-dedans, mes amis? Alors, voyez-vous pourquoi ça prend une mesure du Saint-Esprit sans le Saint-Esprit? Écoute, oublie ça, c'est impossible. Ça prend la révélation du Saint-Esprit, ça prend vraiment le ciel et la terre connectés ensemble pour qu'on avance. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie, mais que professant la vérité dans la charité, nous grandissions à tous égards à celui qui est le chef. C'est de lui, grâce à lui. C'est du pasteur, c'est de ton mari, c'est de ta femme. Non, c'est de lui. D'où vient notre force? D'où vient notre sève? D'où vient le sucre? La subsistance, la nourriture. Ça vient de lui. Voyez-vous, la proximité, l'intimité, le besoin de s'approcher de Jésus-Christ, d'être vraiment en lui, grâce à lui, et tous les liens de son assistance. Parce qu'il y a des assistants, là. Son assistance, mais on est tous assistants. T'avances? Ça? Que tout le corps, regardez autour de vous. Regardez, virez votre bord, là. On a l'air d'une gang au théâtre. On se parle dans le dos. Là. Que tout le corps, tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de personne ici qui est inutile. Il n'y a pas de personne ici qui ne fait pas partie du plan de Dieu. Tous les liens sont d'assistance et grâce à tout le corps. Il y a une grande attaque contre le corps de Christ dans ces siècles mauvais. Je reçois des articles, moi, puis il y a des affaires que les pasteurs sont dépassés. C'est des choses qui ne sont pas supposées d'être. Il y a une destruction contre la famille, il y a une attaque contre les enfants, il y a des attaques de partout bord, tout côté, et le corps de Christ est attaqué. Alors que Jésus veut bâtir, que tout le corps bien coordonné. Oh! Bien coordonné. Il y a une coordination. On ne parle pas de loi. La loi, tu n'as pas de coordination. La loi, c'est ça qui est ça. Mais c'est la grâce, c'est... C'est pas ça qui est ça, la grâce. La grâce, c'est... On se parle, on s'instruit, et on regarde comment nos ballons montent. Comment on se débarrasse de nos bébites qui nous fatiguent. Jusqu'à ce que plus personne ne se fatigue dans l'Église. Comme ça, rien n'y rase de s'étouffer. Mais la réalité, c'est ça que Dieu veut. C'est qu'on ait des attitudes qui nous montent en altitude. Hey, c'est weird, ça. Mais c'est écrit. Bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. C'est-à-dire que chacune de ces parties a la force nécessaire pour rentrer dans le plan de Dieu. Et ça encore, c'est une autre chose au niveau de la vie du disciple qu'il faut trouver, la volonté du Père. C'est où mon endroit? Dans le fond, Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu sois fidèle là où il veut que tu sois. Quoi, là? Des fois, les gens regardent trop haut. Alors, notre but, c'est de redescendre un peu. Et des fois, les gens ne regardent pas plus loin qu'il faut parce qu'ils ne croient pas avoir le potentiel ou les qualités ou... Notre rôle, c'est de dire, bien, tu peux. Ben, penses-tu que je suis capable de faire ça? Je ne sais pas, mais essaye. On va dire comme mon père disait, si tu ne l'essayes pas, tu ne sauras pas. OK, je l'essaye. Oh non, je me plante. Oh non, je ne l'essaye plus. On recommence. Et décide, ça y a pris combien d'expériences? Mettons. Et toutes les expérimentations. Donc, les expérimentations deviennent le feu dans nos ballons pour grimper jusque dans sa présence, jusqu'en lui. Et convient à chacun de nous être édifié lui-même dans l'amour, dans la charité. Ah, ouais. La prochaine fois, savez-vous ce qu'on va voir? Une autre affaire qui est venue sur mon cœur, puis il faut absolument
regarder comme disciple. La Bible nous raconte l'histoire merveilleuse de l'amour du Père envers sa création. Vrai ou faux? D'un couvert à l'autre, on voit le cœur d'un Père compatissant. Vrai? Lent à la colère. Vrai? Riche en bonté. Miséricordieux. Ah, donne-moi des vrais vrais, là. Vrai! Patient! Oh, que oui! Qui pardonne! Qui guérit! Qui restaure! Qui délivre! Qui console! Ah, on a l'air de te vendre au garage! Vendre à la quête! Qui protège! Qui combat pour son peuple! Ses fils! Ben, continuez! C'est fini! Tu voulais pas dormir dans ça, ce que tu m'as dit. Qui combat pour ses serviteurs. Un Père assez rempli d'amour, de courage, d'espérance, pour se séparer de son propre Fils le plus précieux, afin de nous avoir ramenés, de nous ramener dans son amour. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a ramené dans son amour? OK, la cabane de sucre n'a pas commencé. Savez-vous ce qu'il a ramené dans son amour? Préparez-vous en Isaac 2. Isaac 1. Oh! Bonjour! C'est la petite nouvelle! Pas Gladys, mais l'autre petite. Oh, excuse. OK, on finit ça, puis après ça, on s'en va tout. Je me souviens plus comment tu l'as appelé, là, Gladys. Eva. Oh, Eve. Comme le début. OK. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de... Les fils de la rébellion. Ça vous, dans la prochaine leçon, ce qu'on va voir, j'espère que vous allez venir, là, que vous allez écouter, sinon on va sur Internet. On va regarder, essayer de comprendre la rébellion. Ça vous, pourquoi? Parce qu'on a toutes de la rébellion à quelque part dans le cœur. Et si on veut monter dans notre ballon, il faut que ça décroche. Il faut qu'on vienne en relation avec Dieu et tous les endroits. Et l'Église, il n'y a pas juste l'Église, mais le monde est rempli de rebelles, de rébellions, parce que c'est une source. On va regarder les sources de la rébellion et comment avoir, afin qu'on ne soit pas des enfants rebelles. Parce qu'on peut l'être. Même religieusement, on peut être rebelle. Et si on veut une Église glorieuse, si on veut une Église remplie de disciples qui comprend ce que Dieu veut faire, il faut arracher toute racine de rébellion. Parce que c'est ça qui nous a mis dans le trouble, et c'est ça qui nous met dans le trouble encore, et c'est ça qui va encore nous mettre dans le trouble, la rébellion. Et il faut y faire face, il faut comprendre, il faut voir si on n'a pas une trace de rébellion quelque part qui, dans nos attitudes, nous empêche de monter en attitude. La rébellion nous descend très fort. Ça nous fait dessouffler. Mais si on est des enfants obéissants, confiants, soumis, dans la joie, qu'on fixe nos regards, nos yeux, notre cœur sur la foi, l'amour, l'espérance, alors les attitudes vont changer. Imagine-toi, toi, quelqu'un rentre ici et est habitué de voir des mauvaises attitudes. Tout d'un coup, hey, qu'est-ce qui se passe ici? C'est donc bien beau, Claudien, qu'est-ce que vous avez? Il arrive une difficulté, tu dis, wow! Ça me tente. Les gens ont besoin de ça, vous savez. Les gens ont besoin de ça. Mais c'est tous. C'est pas juste les leaders, c'est pas juste quelques personnes. C'est tout le monde doit se débarrasser de toute trace de rébellion parce que c'est ça qui ouvre la porte de la bénédiction. Hey, écoute, arrête les phrases. Là. Wow, hey, enregistre ça. Qu'est-ce que je viens de dire, me rappelle même plus. Oh, ça vient de sonner, il m'a dit. Ah, écoute la cassette. Je m'en ai écouté, mais je n'ai même pas réalisé. Ah, elle va nous. Ah, bénissons le Seigneur. Ouvrez vos bouches et dites, commencez tout de suite à travailler. Dites, Seigneur, c'est une trace de rébellion en moi. Commence à me travailler le cœur. Commence à me débarrasser de toute trace. Parce que je veux monter dans ma montgolfière.
pour aller te toucher, pour aller recevoir cette passion pour toi, Jésus. Alléluia! Yeah.